Salut tout le monde, c'est Katas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Black Desert Online où l'on va reprendre notre petite série de quêtes en allant tuer des nains pétrifiants. Des nains pétrifiants, pourquoi pas? Moi je suis assez chaud pour aller tuer des nains pétrifiants, donc on a encore perdu tous nos sorts dans notre bar, donc ça c'est magnifique, magique. Donc j'ai commencé à refrier d'ailleurs, au passage j'ai oublié de remettre les potions, donc hop, petite potion ici et petite potion là-bas. Parfait. Du coup, ma barre de sort a encore changé depuis la dernière fois. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, j'ai réattribué quelques points de sort pour pouvoir faire ça, par exemple. Attendez, il faut déjà passer en agressif, pardon. Ah, excusez-moi. Voilà, faire ça. Parce que ça, c'est rigolo. Non. Moi, je trouve ça rigolo. Et du coup, si je fais ça, et que j'ajoute le clic gauche, ça fait un truc assez sympa. Bon, après, je sais pas comment c'est rentable ou pas. Surtout que les nains pétrifiants ont l'air d'être assez forts. Mais du coup, c'est quand même rigolo. Genre si je fais ah, recule, voilà comme ça et que j'ajoute le clic gauche, ça veut pas, évidemment parce qu'il faut faire bas en même temps. Mais du coup si je fais ça, plus j'ajoute le clic gauche, ça fait un truc genre une vague et ça c'est cool, non? Non, bon, tant pis. Mais on est fort, on est fort, on essaye de s'améliorer un petit peu, quand même, parce que sinon c'est chiant. Par contre juste, hop, voilà, et j'ai aussi mon 10 là. Qui doit être une espèce de spell ultime, donc on va voir ce que ça donne quand ils seront un peu plus nombreux, un peu plus dangereux. Parce que là ils nous disent déjà, ah puis pauvre fou, c'est trop dur pour toi. Bon, du coup j'attends quand même que ce soit vraiment beaucoup trop dur pour nous, parce que pour le coup là c'est pas trop dur non plus, faut pas déconner quoi. Il y a 3 nains à tuer, ça va, j'ai vu pire. J'ai vu pire, d'autant qu'apparemment il vient de mourir tout seul, parce que le dernier tick ça devait être un dot, je pense, qui devait être posé d'une manière un petit peu aléatoire, un peu what the fuck. Du coup je comprends pas trop. Bonjour. Meurs! Tiens! Mange! 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 On est un peu plus statique quand on utilise ce truc là, donc. Plus à utiliser, je sais pas trop comment, mais. Mais on est vraiment beaucoup plus statique finalement, donc il faut quand même essayer de faire attention. Tiens, mange ce coup de pied. Ah, t'es pas tombé, c'est génial! C'est génial! On va essayer de pas trop s'éloigner, sinon on va perdre encore une fois l'aggro, et ça c'est chiant. Faire le petit 8 des familles comme on aime bien faire et on accomplit notre quête. Espérons qu'il ne repop pas tout de suite, histoire qu'on ait le temps de voir le démoniaque, le terrible, l'impressionnant dialogue sur la tête de ce personnage, voilà. Alors, ils étaient vraiment aussi solides que la roche, débarrassons-nous du reste. Je suis chaud. Ouh là là, ça en fait beaucoup là. L'appétit vient en mangeant, suite, accepté. Encore ? Ah, on a tout en cours, hein. C'est bon, j'ai pas lu la quête mais on s'en fout. On s'en fout, même si j'aime bien le lore de manière générale, c'est un peu genre des glutonies. Des glutonies. On est dans Full Metal Alchemist les amis, il faut tuer glutonies. Alors c'est où? C'est à 230 mètres, donc moi j'avance, hein, rien à faire. Salut. Hey coucou. Bonjour. Rien à faire des nains, vous êtes trop faibles finalement pour moi. D'ailleurs là ils sont pleins. Donc est-ce que j'utiliserai pas mon 10 juste pour voir? Oh, puis ils sont pleins sans être pleins, en plus ils s'intéressent pas à moi, donc on s'en fout un peu finalement. On va aller buter du gluttony. Et que du gluttony, hein, parce qu'il y a des adultes et des jeunes. Donc, évidemment, encore une politique où on élimine les plus jeunes pour réduire l'espérance de vie de l'espèce. Hein? N'est-ce pas? C'est immoral. Bon, après, on sait pas trop si les glutonies sont vraiment des adversaires qui sont un petit peu, comment dit-on, je cherche le mot, belliqueux, voilà, merci. On sait pas si ce sont des créatures belliqueuses ou pas. Et après, on ne connaît pas non plus leur motivation. Ça se trouve, ce sont des créatures sans cervelle qui viennent juste attaquer les pauvres récoltes. Bon, enfin là, pas vraiment de récoltes, hein. Les nains, ils creusent, ils font leur boulot finalement. Alors les glutonies. Alors ça c'est pas un glutoni, hein, j'annonce. Où sont les glutonies? Les glutonies, ça c'est un poseur de bombes. Ouf, il fait mal un peu quand même, hein. On va essayer de faire attention. On va essayer de pas trop manger. Attendez, peut-être que c'est pas du tout dans la bonne direction. Peut-être qu'il fallait réactualiser, voilà, tout à fait. Donc on n'est pas du tout dans la bonne direction. Ah mince. Ah mince, 830 pas, du coup. Pas, mais 830 en tout cas. Pas vraiment des mètres, hein, il faut le dire. C'est qu'un mètre, vous souvenez, un mètre c'est à peu près un pas, on va dire. Et on fait quand même plus d'un pas lorsqu'on parcourt 10
pseudo-maître du jeu, donc ça se trouve c'est fait qu'on t'est repillé, je ne sais pas, peut-être des pistes. Par contre, on s'y rapproche pas du tout comme la flèche nous dit. Il va falloir peut-être qu'on l'écoute à un moment donné. Parce que là, je fais que des bêtises. Bon, alors les gluttonies, du coup. À quoi peut donc bien ressembler cette espèce dont le nom semble être issu d'une issue assez vorace, finalement, gluttonie. Mais là, c'est de là où on vient, là, ils m'embêtent. Ah non, c'est par là. Ils me font passer par des chemins un petit peu étranges. À côté, c'est joli, donc c'est pas grave. Sympa, cette zone-là, avec les nains qui minent et tout, c'est vraiment sympa. En plus, on passe à flanc de montagne, c'est super joli. Oh là 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 là, c'est super joli. Bon, là par contre, voilà, pour pas m'embêter. C'est peut-être un peu haut. Je crois que j'ai failli mourir. Bon, là c'est bon, on glisse. Ah, tu glisses, c'est bon. Nice. Pas pris. En fait, c'était pas très haut, hein, mais. Comme je ne suis pas vraiment sûr des dégâts que l'on prend avec les dégâts de chute, je préfère essayer de faire un peu attention. Un peu, hein, bien entendu, parce que. Un peu trop, c'est chiant quand même. Alors. Alors, les gluttonies. Vraiment, il nous envoie à l'autre bout du monde, lui, encore. Normalement, les quêtes sont classées hein, par ordre d'éloignement. Donc là, c'est un peu plus clair qu'avant. Option. Plus proche. Et non trié. Donc, on s'en fout, c'est vraiment le plus proche. On a enlevé l'option croissant-décroissant. Mais c'est vraiment le plus proche, hein, on s'en fout. Ça m'a l'air d'être un peu plus clair dans ma tête à ce niveau-là. Les esprits des arbres paresseux, genre les trucs qui sont paresseux mais viennent quand même te taper la gueule dès que tu t'approches d'eux quoi. Paresseux mais pas trop, faut pas déconner non plus. Non mais on est aussi beaucoup trop lourd hein, évidemment. Comme mon avis ça doit bouffer notre énergie mais violemment. Mais comme je ne sais toujours pas et comme il n'y a aucun de vous qui est assez gentil pour me dire comment je peux me débarrasser de ces lingots d'or qui pèsent une tonne et demie, 8,30 LT et là pareil 4 LT, eh bien, je pèse lourd pour le moment parce que je connais pas trop le système. Faudrait que je me renseigne en vrai. Ah là là, je sais qu'il faut que je me renseigne. Mais j'ai des viewers normalement qui sont là pour ça. Et excusez-moi monsieur, mais si je dois me renseigner en plus, hein? Non mais. Moi je suis un paresseux aussi. Un jeune tréant paresseux. Voilà. Non mais. Paresseux, mais pas trop. Pas bon. J'irai me renseigner là-dessus, mais un peu la flemme là de faire une ellipse juste pour ça. J'avais complètement oublié que j'étais en surpoids. Et puis du coup, ça se trouve, d'ici là, vous m'aurez renseigné. Oh, qui sait. Ce serait beau. Ça serait beau. Ce serait magnifique. Regardez, ça nous emmène encore dans une direction un petit peu spéciale. Ils sont classe, eux. Regardez-moi cette tête. Ils sont carrément classe. Oh, des convois, des convois, des convois. Les cons, et on les voit, les convois. Par là, ils disent. Moi, je suis la flèche, parce que pour le coup, comme c'est en haut d'une montagne, j'ai pas envie de trop de me planter. Ça serait quand même terrible. Oh, cartographie, je prends. Il y a une quête. Je veux pas la quête, je veux juste la cartographie. Please. Waouh, le mec, c'est une montagne. The Dark Knight. Je suis ici pour enquêter sur les plaintes des villageois. Connais-tu le savant fou de Kepland? Non, mais ça ne m'intéresse pas parce que je suis sûr qu'à tous les coups tu vas vouloir faire des bêtises. Mais j'ai obtenu des nouvelles connaissances au passage. Donc. Tu vas vouloir me faire faire une quête et faut pas déconner non plus. Hein. Je suis niveau 37, je suis bientôt niveau 50, j'en ai rien à taper. J'en ai juste rien à taper de ta quête qui ne sert probablement à rien sinon à me ralentir. Probablement une quête FedEx qui consiste à aller tuer trois écureuils, 6 chèvres et 2 moutons. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Le silence. On joue au roi du silence. En fait, c'est super loin, c'est casse-pied, hein. J'aurais dû prendre mon cheval, mais comme il est encore perdu et qu'on peut pas invoquer sa monture, ça c'est bien dommage, pas très logique de pouvoir invoquer sa monture, mais c'est bien dommage de pas pouvoir le faire. Du coup, ils me font passer dans une grotte, ça c'est sympa. Regardez, des gluttonies, les voilà les gluttonies. Alors, excusez-moi monsieur, mais votre espèce n'est pas représentative de votre nom. Parce que vous êtes un jeune gluttonie, mais vous n'avez pas un gros ventre pour un gluttonie. Alors que mangez-vous? C'est sûr que si vous êtes un gluttonie de cailloux, ça va. Ça pourrait être pire. Regardez, il y a des ressources à l'intérieur. Intéressant. Bon, par contre, on va arrêter de se prendre. Ah, vas-y, petit 9.
Salut. Bim bam boum. Tu manges. Tu n'es qu'un jeune gluttonie après tout. Tu crois que tu m'effraies? Il est mobile, faut faire attention lui par contre. Lui je sens qu'il faut faire gaffe parce qu'il m'a l'air d'être assez mobile. Edin. Essayons de ne pas... plantes toxiques, ouais ça me motive moins les plantes toxiques. Hé, calme-toi là. Oh. Tu m'as empoisonné, vraiment. Tu m'as vraiment empoisonné, tu as osé m'empoisonner. What? Y'a un Gollum qui arrive sur moi. Non. Je n'ai pas ton précieux. Laisse-moi tranquille. On ne voit rien, c'est terrible. Ah. Non. Vous êtes trop nombreux. Ils sont dans les murs. Oh là, lui il est plus représentatif de son espèce par contre. Gluttonie de taille moyenne. Alors j'imagine les gluttonies adultes, la gueule qu'il doit avoir quoi. Eh, il serait peut-être temps d'essayer d'utiliser le 10, non? Vas-y, lance! Balance la sauce! Lâche le sort! Je sais pas comment! 10, faut appuyer, non, pas du tout! Lance ton spell! Non, on va mourir avec tes bêtises! Mais what the fuck? Par contre, là, calmons-nous. Pourquoi ça ne marche pas? 10, je veux bien. Maintenant, relâche-le! Ah, c'est le temps de cast en bas, vous pensez? Il faut vraiment tenir aussi longtemps? C'est chaud quand même! Si c'est ça le temps de casse, il faut vraiment tenir longtemps. Après, si c'est un genre d'ulti, mais regardez, on a aucune chance de pouvoir lancer ce spell. C'est plus un spell qui permet de commencer le fight qu'autre chose. Parce que là, si c'est vraiment aussi long, c'est juste insupportable en fait. C'est pas ça. Il doit y avoir une combine. Vas-y, balance ton spell. Balance, balance, clic gauche. Ah, c'est ça, clic gauche en fait. C'est ça, fallait clic gauche. Par contre, c'est violent. C'est grave violent. C'est un spell qui est fat. Il a un cooldown qui est pas vraiment aussi important que ça finalement. J'avais pas compris. Mais non, on a fini la quête genre en 2 secondes. Alors attendez, je veux juste me renseigner un petit peu. Contrôle. Combien de dégâts il fait ce sort? C'est abusé, max. 10 cibles. Déplacement possible. En fait, c'est que la jauge qui était en bas, c'était notre jauge de déplacement. Donc j'imagine que quand elle arrive à 0, c'est fini. Clic gauche pour tirer après le lancement. Voilà, évidemment, si je lis pas le spell. Ah là, hein, forcément. Mais ça, c'est hyper violent. C'est plus violent que ça, vous pensez? Ouais, c'est plus violent que ça, je pense. Hein. Il a un cooldown vraiment faible, hein, finalement. Peut-être qu'on peut le faire qu'un certain nombre de fois. PM requis 108, vous me direz, c'est beaucoup en PM. 30 secondes et ça, 10 secondes. Ouais. Écoutez, je sais pas, mais c'est violent. C'est très très violent. Vraiment très violent, attendez. Hop. Vas-y, balance-lui à la gueule. C'est la one shot, on est d'accord. C'est ultra violent. J'adore. C'est hyper fat comme spell. C'est un peu long à cast. Mais à part ça, il y a vraiment pas... Enfin, même en termes de cooldown, il y a... C'est abusé, quoi. Les origines des différents pouvoirs. Ah, c'est étrange. Cette aura est similaire à celle des ennemis que nous avons déjà vaincus, mais quelque chose est différent. Trouve un chemin pour te rendre au sommet. Quel sentiment complexe que je ressens. J'accepte. Un sentiment complexe, tu ressens. C'est beau, comme tu dis ça. Tu me touches. Donc, les gluttonies de taille moyenne... Oh punaise, il est gros lui. Oh, il est gros lui. Attention. Hop. Tiens. Mange. Mange. Et voilà, two shot. Par contre, là ça va être chiant. Parce qu'on est coincé dans un mur. Ah, insupportable. Attendez, ils sont tout petits, ils sont super mobiles, il faut faire gaffe, mais genre violemment. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Putain, on a plus de vie. Oh là là, on fait des bêtises. Ils sont trop mobiles. Et les chaussures aussi, elles sont agressives, vous croyez? Ouais, ils sont agressives aussi, les chaussures, je crois. Ouais, c'est ça, les chauves-souris aussi sont agressives. Faisons attention. Essayons du moins. Parce qu'il fait super sombre, je sais même pas si vous voyez quelque chose en fait, finalement. Parce que les gamins, là, c'est violent. Là, c'est la violence du gamin, quoi. Tiens, mange. Allez, ça, ça fait plaisir. C'est violent comme spell. Punaise. On va essayer de passer par là. Attendez, juste. Hop, il faut que j'essaie de voir si j'ai pas un retour un peu plus correct, parce que... Non, si, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ça a pas l'air d'être horrible au niveau des gamins. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, on sort de la grotte, on est encore sous les... Oh, putain. C'est beau. Waouh, waouh, waouh. Aucun regret. C'est magnifique ici. Dommage que la population de cette grotte soit un petit peu spéciale. Mais carrément flippante, la population de cette grotte. Ah ouais, non, mais par contre, calmez-vous. Je suis là en ami. En ami. Laissez-moi. What the fuck, ils sont hyper violents. Oh là 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 là, bouge. Bouge, bouge, bouge. Ça va, ils ne font pas non plus trop mal, mais ils sont carrément classe. Franchement, le décor est... Ah, il a monté dans l'eau, on va pouvoir
voir. Le décor est ultra somptueux. Regardez, il y a un cartographe là-haut. Je suis sûr qu'à tous les coups, on peut aller le voir, mais je sais pas trop comment. Donc, vu qu'on est un petit peu en sous-level, on va quand même essayer de faire en sorte de survivre. Ce qui est plutôt pas trop dégueu de manière générale comme idée. Vaincre le guerrier orc hurleur. Un guerrier orc hurleur, est-ce que ça serait pas le gros là? Ça serait pas ça? Non, ça c'est un gluttony mutant. Alors, c'est quoi le guerrier orc hurleur? On est soi-disant au bon endroit normalement. Moi je pense que c'est ce gros machin là, non? Qu'en pensez-vous? J'essaye. Ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais du coup, on a deux spells sur lesquels on peut enchaîner qui sont vraiment violents. Aïe. What? Ah, c'est les chauves-souris qui font ce joli effet de lumière? Mange! Vilaine chauve-souris! Il est trop violent ce spell, je vais jouer qu'avec ça. Je ne joue qu'avec ça! Mais merde, c'est quoi les guerriers orc-hurleurs du coup? Attendez. Vas-y, mène-moi aux guerriers orc-hurleurs. Ça se trouve, on n'est pas du tout bon endroit. Je sais pas où il m'emmène. Je crois qu'il est juste en automarche là. Mène-moi aux guerriers orc-hurleurs. Vas-y, où c'est? Ah ouais, du coup, c'est pas du tout là. Faut pas que j'oublie à chaque fois de réactiver la flèche parce que c'est quand même super spécial. Mais la zone est vraiment belle. Hein. Pour le coup, même les créatures qu'il y a dedans, c'est juste fameux. 390 mètres. Ok, bon. En fait, je m'étais encore planté de direction. C'est terrible. On sort de cette grotte. Il faut les amis qu'on sorte de cette grotte. Aïe. Laisse-moi tranquille. C'est moi qui l'attaque, mais c'est lui qui doit me laisser tranquille en fait. La logique, vous comprendrez. Alors le guerrier hurleur, ça se trouve vous êtes tous en train de vous énerver, en train de dire mais punaise, tu suis pas le bon endroit, t'as pas recliqué, oh là là, oh là là. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors 300 mètres dans cette direction. Je vois le point lumineux qui est là. Mais évidemment, comme encore une fois c'est de la montagne, j'essaye de suivre un petit peu les routes parce que sinon c'est un peu chiant de se retrouver dans une zone où c'est compliqué de... Comment dire? Dans une zone où c'est compliqué de se déplacer, parce que finalement, parfois je me rends dans une zone et en fait c'est 300 mètres au-dessus, l'endroit que je cherche. Donc... Par contre, on retrouve des orques et ça me fait un peu chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier de me taper les orques en fait. Parce qu'on en a déjà tué des millions en fait, et c'est un peu relou de retourner affronter des orques. On est à environ 200 mètres, hein, on va dire des mètres, parce que voilà, hein. Sinon c'est chiant. Attends, on va laisser marcher. Ah, viens là. Tu vas y aller. Tu vas y aller puisque de toute façon on suit la route. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Voilà. Merci. Parfait. Vas-y, vas-y. Tu peux le faire. On n'est pas loin. Ah non, c'est pas au-dessus. Ah, si c'est au-dessus, comment tu vas faire pour y aller, hein, Coco? Regardez, ils disent que c'est au-dessus. Par contre, le monsieur là, quand il marche, il va pas au-dessus. Il va faire tout le tour, vous pensez? Franchement, est-ce qu'il va me faire faire le tour par la route? Ça serait terrible. Il va me faire faire la grosse boucle, je suis sûr. Oh, c'est terrible. Il me fait faire la grosse boucle. Alors que ça semble... D'un côté, peut-être qu'on n'a pas le choix. Si, je coupe. Je coupe, je l'écoute plus. Je ne l'écoute plus, je coupe. Moi, monsieur... Écoutez, vous me direz, peut-être qu'il y a plus facile comme chemin... Peut-être qu'il y a une autre zone où il y a des orques et que finalement... ah non, c'est ça, il me fait vraiment passer en mode un peu aléatoire, what the fuck. On a coupé, c'est quand même plus intelligent. Mais là, on n'a pas le choix, je pense que comme on est à flanc de montagne et tout, c'est un peu chaud sinon. C'est un peu chaud sinon. Regardez le nombre de familiers qu'il a, lui. What the hell? J'ai envie de dire... Mais, caméra qui se barre en douille, mais c'est insupportable. Calme-toi, la caméra. Joli, les bestioles, les chimères. Carrément sympa. Allez, les orques. Même son staff, il est plutôt cool, je trouve. Une espèce de fléau. On n'a rien à taper des mobs, en vrai. C'est eux qu'il faut que je bute. Et lui, il en a rien à taper, donc c'est pas eux qu'il faut qu'il bute. Et voilà. Ah, pas suffisant. Insuffisant. Je sens que je vais me faire def. Je vous cache pas que je sens que je vais me faire def. Les chimères là, elles ont décidé que c'était des saloperies et qu'elles allaient me poursuivre jusqu'au bout du monde.
10. Boum. C'est chaud. Ouf, ils sont violents, hein. Hop, 3. Oh là là, recule. Ouh là 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 là. Eh, mais c'est chaud patate ici, hein. Là, il y a du challenge, ça fait plaisir. Mais ils sont combien de chimères à vouloir ma peau, en fait. Le temps de casse est vraiment long, mais ça vaut le coup. Je sais pas du tout si j'arrive à les toucher, mais j'ai l'impression que ça se passe pas comme j'aimerais. Deux, il reste deux chimères. Du coup, là, c'est un petit peu la crise. Pour une fois, j'ai besoin des popos. Pour une fois, je suis en galère. Ça fait plaisir. C'est longtemps. C'est longtemps que j'avais pas été en galère. En plus, ces créatures, elles sont ultra mobiles. C'est très difficile de s'en dépêtre, quoi. Punaise, il y en a tellement! J'en ai pas tué, là? Si, j'en ai tué une. Faudrait que je me rapproche de cette zone-ci, parce que là, sinon, je vais attirer à chaque fois les chimères quand elles vont pop. Elles ont la classe, en plus, ces bestioles. Ça fait chier de les buter, presque. Oh là 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 là. Voilà. Là, y a plus de chimère, il reste qu'un orc, c'est le dernier que je dois buter en plus. Lui aussi il est assez mobile en plus, hein. Mais c'est une poule au milieu, non? C'est moi ou c'est une poule au milieu? Ouais, c'est une poule au milieu, what the fuck? J'avais pas vu. C'est une poule. Elle contrôle le robot. C'est insupportable. Se faire affronter une poule. Moi je tue pas les poules. Je les mange, moi, monsieur. Je ne les tue pas. Oh là 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 là, c'est des orques ça? Ils appellent ça des orques, je trouve ça un peu spécial d'appeler ça des orques juste parce qu'ils sont un peu massifs, quoi. Boum! Allez, objectif de quête accompli, nice! Par contre, j'aimerais bien me dépêtrer de cette infâme chimère. Si elle avait la gentillesse et la décence de bien vouloir mourir. Punaise, elles sont trop nombreuses. Je sais même pas comment je vais faire pour rendre la quête à l'esprit occulte. Enregistrons-nous quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Bon bah merci. Ok. Ah! Laissez-moi tranquille, je m'en vais. Je vais aller rendre ma quête auprès de l'esprit occulte. Je n'ai pas envie d'affronter 50 chimères, s'il vous plaît. J'aurais bien aimé découvrir un peu plus la zone parce que le coup des orques. Des orques poules! Je trouve ça rigolo. Vraiment. Pour le coup, je trouve ça vraiment très rigolo. Je vais mettre dans ce coin-là, j'espère que je me fais pas poursuivre ou quoi. J'ai pas l'impression. À moins que les renards soient agressifs. Vous êtes agressif? Ah oui, vous êtes agressif, vous aussi, mais toutes les bestioles de cette zone sont agressives. Insupportable. Bon, vous êtes nul, ça va. Ça va, vous êtes nul. Ça va que vous êtes nul. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Penses-tu que les cobayes ne sont pas normaux? Et qu'en est-il de moi? Quête. Joyau mécanique. Qui sont ces monstres? Ils semblent nous vouloir du mal, donc tâchons de leur porter le premier coup. J'accepte, évidemment. Je pense pas qu'il y avait 15 quêtes, mais je crois que je me fais attaquer par un renard à la con. Hop, hop. Hop, voilà. L'esprit occulte. Il y avait quelque chose d'autre pour moi, je crois pas, je vois pas que ça brille, donc je pense pas. Quête. Non, il y avait rien d'autre pour moi. Donc, à l'assaut. Le plus proche, c'est celui-ci. Là, il faut que je bute des chimères, il aurait pas pu me donner ça tout de suite comme quête. Vraiment, parce que les chimères, elles sont violentes, quoi. Oh là, elles sont nombreuses surtout. Oh là, je crois que j'en ai touché aucune. C'est terrible. Je crois que j'en ai touché aucune. Voilà, c'est chaud. C'est genre très chaud. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Sauve-toi, tu vas mourir, tu es mort. Ah, ils sont trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Là, c'était chaud. Là, c'était vraiment chaud pour le coup. Est-ce que j'ai une larme des lions? Ok. J'en ai pas. Donc c'est mort. Bah au plus proche village, hein, je pense que c'est le... Je sais pas. Je sais pas si c'est le plus intéressant, mais bon. Puis on s'en fout. Ouh, une belette. Même les belettes, elles sont agressives dans ce jeu, vous avez vu, les pics sur sa queue. What the hell. Peut-être que le géopoint, c'était le plus proche, mais bon. Au pire, c'est pas trop grave, je vous ellipse le temps de transport. Déjà, je devrais déjà vous faire une ellipse par rapport au temps de chargement. Mais bon, il y avait une belette, du coup... dans l'idée, j'étais obligé de vous la montrer. Parce qu'une belette, c'est quand même important, non? Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien les belettes. Surtout quand elles ont des pics. Elles sont violentes. Elles crachent de l'acide par les yeux. Alors.
Ah, et du coup, recevoir les fonds de soutien est plus proche maintenant. Ok, bon bah, on va recevoir les fonds de soutien, du coup. Non? On fait pas ça, d'abord? Vu qu'on est plus proche, tant mieux. J'ai envie de dire, presque, c'est mieux, non? Hein? Je pense. Donc, je suis... Hop, mais je suis toujours trop lourd, hein. 94% en termes de poids. Elle n'a pas les épaules, notre personnage! C'est insupportable. Regardez, il balance des petits... de lumière qui brillent, des paillettes. Ils sont vivants, les PNJ, dans ce jeu. Ils sont vraiment sympas. Hein. Alors, ah, vraiment, il y a une ambiance. Regardez, le mec qui fume la pipe tranquille sur son bestiau. Eh, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu en profiter pour récupérer un canabou, non? Un canabou, un canasson, un canabou, un canasson, un canabou, un canasson, son... canasson, un canabou. Il y a peut-être une écurie là-dedans. Regardez, ils sont tous sur leur bestiau en train de fumer la pipe. Je me dis, c'est un village, donc dans un village, il y a possiblement une écurie, non? Ce serait bien. Eh ben, un jour, je cherche l'écurie la plus proche. Please. Allez là, il y a des bestiaux. Vous n'êtes pas une écurie, vous? Non, vous n'êtes pas une écurie. Bonjour, je cherche l'écurie la plus proche, s'il vous plaît. Un villageois. Ouais, moi non plus. Pour le coup, non. Ça m'intéresse pas non plus. Un villageois. Un vendeur de marchandises général. On fait le tour, on cherche. Fouille. Une écurie. J'aimerais bien. Si c'est possible, hein, bien entendu, si je demande pas trop. Supportable. Truc ici, hein, mais il y a beaucoup trop de trucs en fait dans ce village. Je saurais jamais trouver l'écurie. Il n'y a pas moyen de M. Voir s'il n'y a pas une écurie par hasard. Comment je peux savoir? Plantation, ça ne m'intéresse pas. Naviguer non plus. Moi, je veux juste une écurie. Marche en un. Essence sauterelle, ouais, parfait. Archangels, maître de guild. Ok, ça appartient à un maître de guild, enfin une guild. Pas vraiment de détails, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé savoir s'il y avait une écurie. Bon, sinon, on se casse, on s'en fout. Combien de mètres? 1240. Alors, par contre, on va se calmer tout de suite. Je cherche une écurie. Je recherche. Le petit Kevin recherche une écurie la plus proche, s'il vous plaît. Le petit Kevin. Mon dieu, quoi. Ah, mais c'est trop grand. Ça me prend la tête presque plus qu'autre chose de chercher l'écurie. Ça se trouve, il n'y en a même pas dans ce village de Pégu! Marchand de ferme. Au début, j'avais lu marchand de femme, j'étais en mode ah ouais, d'accord, vous êtes comme ça, vous. Terrible. Ça aurait été terrible. J'aurais été obligé de raser ce village de la toute puissance de mon énergie ténébreuse. Bon, mais pas d'écurie, ça m'énerve. Il y avait peut-être, hein, vous connaissez peut-être le village, mais c'est pas mon cas, donc du coup, tant pis. Après, il y a des marchands et tout. Bon, écoutez, je vais vous ellipser la petite marche et puis on se retrouve tout de suite pour vous. Hein? Allez, à tout de suite. Et nous revoilà, les amis, dans l'endroit plein de chevaux où les gens se garent un peu à l'arrache et à la mort, moi le nœud. Pour parler à. Comment s'appelle-t-il? Baskin Djurik. Donc, on va voir ça. C'est dans une ville un peu spéciale. Est-ce qu'on va réussir à lui cliquer dessus? Ça, c'est encore autre chose. Oui! Et on le voit. Oh! Il est imposant, le monsieur. Voici la banque de l'espoir, je te demanderai de ne pas emprunter d'argent si tu ne peux pas rembourser. J'ai déjà assez de soucis comme cela, je n'ai pas besoin qu'un aventurier comme toi me cause encore plus de problèmes. Je suis fier d'avoir le bon sens d'investir dans ton potentiel, tes talents valent bien mon argent. Voici une petite récompense. Pour tes divers exploits, de toi à moi, que ton amitié avec Calpheon ne perdura jamais. Conteneur. Vous pouvez utiliser vos points de contribution pour louer des objets auprès de certains PNJ. Pour vous aider au combat, pour récupérer ses points une fois que vous avez un j'ai loué. C'est quoi un conteneur? Une boîte? Non, j'annule. J'annule, moi j'aimerais une banque en fait. Y a pas une banque? Dépôt. Ah, si, mais je retrouverai jamais mes trucs. Je me connais. Si je pose des trucs ici. Ah, c'est la capitale de Calpheon, ok. Quantité maximum. Bah, je l'ai posé parce que de toute façon j'en servirai jamais. Il faudra juste que je me souvienne que je les ai mis là parce que ça serait terrible auquel cas. Mais bon, vu que c'est un banquier, je pense qu'il doit y avoir moyen de réussir à le retrouver pas trop facilement. Enfin, pas trop difficilement. Je vais marquer sur un bout de papier quand même, checker vite fait. Banque de Calpheon. Voilà, j'écris, hein.
vous m'en voulez pas. Et c'est Bastian. Comme ça, j'arriverai à me rappeler de qui c'est. Zurich. Peut-être d'autres banques ailleurs, mais dans l'idée, je préfère poser mes trucs ici. Je pèse une blinde, sinon ça me coûte trop cher en termes de temps. Et je lui pose ça. Il a des quêtes aussi, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas né égal. Le silence n'est jamais la réponse. Attendez, c'est ça qu'il a dit? Tout le monde n'est pas né égal, vraiment? Tout le monde n'est égal, pardon. Le silence n'est jamais la réponse. La guerre n'a jamais cause tellement de peine. Je sais que les gens en veulent à Calphéon. Nous avons envahi et occupé cet endroit et nous devons en porter la responsabilité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Pour aller, existe-t-il un endroit plus beau et plus relaxant qu'un jardin de noces? Je pense que non, l'endroit est parfait pour y amener des enfants. Tout le monde va donc non. Non, quête FedEx, pas pour moi. Je suis désolé. Bon, du coup, maintenant on sait qu'il y a une banque ici. Peut-être qu'il y a des écuries pas loin quand même. Parce que c'est une grande ville, je vous fais hésiter un peu, hein. Parce que c'est super grand et que c'est encore pire que dans le village où on était juste avant. D'ailleurs, peut-être que lui, le héros, là, il a des infos pour moi. Non, lui, c'est une quête. Lui, c'est une quête à 100%. Regardez-moi ces chevaux. Ouh. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, non pas le vendeur d'armes, même si en soi ça pourrait être intéressant, mais l'écurie la plus proche. Aïe, pardon, excusez-moi monsieur, calmez-vous. Ça saute aux yeux que tu n'es pas du coin, ne tentez pas ici à Calphéon, on est tous des enfants du pays. Boutique. T'as des trucs intéressants pour nous? Non, je ne pense pas. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait fortement. Hein. Des anneaux mystérieux. Ouais, c'est un peu cher, non? 60 000. 1 million! Je sais pas à quoi ça sert, mais. L'inscription des objets permet d'éviter le décompte du niveau d'enchantement si un nouveau échouait, si tu veux. Ça me dit pas ce que c'est, mais. Effectuer un clic droit pour obtenir l'un des objets suivants: un anneau des ogres, un sceau du gardien antique, un collier du Bencho, un collier du. C'est rigolo ça! Moi je suis chaud pour tenter un achat un peu aléatoire comme ça. Genre sur chaque pièce. Moi je trouve ça rigolo. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve ça vraiment rigolo. Faudrait que je les retrouve. C'est tous les trucs avec un point d'interrogation, mais ça donne un objet aléatoire. Et ça peut être intéressant. Ça peut être rigolo. Enfin, déjà c'est rigolo. Ah, avant toute chose, c'est rigolo. Et c'est ce qui compte. Marchand de meubles et bijoutier. Propriétaire de taverne. Ah ouais, il y en a du monde ici. Il y a du beau monde. Alors attendez, hop, clic droit. Ouvrir. Aléatoire. Stop space bear. J'appuie sur stop. Hein. Ouh, un objet vert, vert, oh, vert, c'est dégueulasse. J'aurais préféré un objet bleu. Et du coup, c'est nul, c'est ça? Ouais, c'est nul. C'est quand même mieux que ce que j'ai, non? Collier de Jesus et collier de Barès. Le mien est mieux, enfin, celui-ci est mieux, non? Il pèse moins lourd, il a de meilleures stats. PD2, PA. Les PA ou les PG? Ouais, bon, on essaye un autre. Une ceinture mystérieuse, allez, 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 une ceinture, on appuie sur space, on essaie de tomber sur du vert et pas, enfin sur du bleu et pas sur du vert, ce serait bien. Évidemment, on n'a pas de chance, sinon c'est pas drôle. Elle est où, elle est là? Ah non, c'est une amulette. Où est la ceinture? C'est ce machin là? Non, c'est pas ce machin. Elle est où, elle est là? Et hein, c'est la même chose, hein. C'est même, ça me fait même perdre des PG finalement. Limite de poids plus 20 et PV max plus 20, ça augmenterait nos PV max. J'ai pas vu si ça... Ok, tant pis. Un anneau. C'est rigolo. Avouez que c'est rigolo quand même. Allez, bleu, 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 vert. Au moins, c'est pas gris, hein, comme dirait. Quoique ça, c'était légendaire, non? C'était peut-être orange. Il est... Ouf, il est là. Et il a l'air tout pourri. Ah, il est tout pourri. Il est tout pourri. Allez, allez, hop, on recommence, ouvrir. Oh là 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 là. Quelle tension, les amis. Space. Bleu, 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 vert. Super, on a eu que du caca. On a vraiment pas de chance. Vraiment, alors là, vraiment. On a pas de chance. C'était où? C'était là. En plus, c'est encore plus nul que ce que j'ai, je crois. Attaque plus 5, attaque plus 10. Ah, mais ça, c'est les effets d'ensemble d'équipement. Mais tout seul. Ouais, mais tout seul, ça nous donne plus de PA. Donc ça, c'est nul sinon. Bon, allez, on va vendre nos merdes. On a eu que du caca. On est en boutique. C'est peut-être parce qu'on a pas fait ses quêtes. Le monsieur, il nous dit. Non. Ok. Du coup, on a perdu plus d'argent qu'on en a gagné. Bon, c'est brave, hein. C'est rigolo au moins. L'important, c'est que ce soit rigolo. Toujours, les amis. Toujours, toujours, c'est rigolo. Donc, c'est plus important. Je dois bien avoir des trucs nuls. Ça, ça a l'air de nul.
de toute façon, ça je l'ai déjà en fait, j'en ai deux donc hop, ok. Canapé, je garde. Sève de pain, j'en ai rien à taper. F, entrée. Oui. Une vieille ceinture bidon, oui. F, entrée. C'est quoi ça? Petite alchimie, je garde. Même si je me sers pas, enfin, même si je fais pas de métier pour le moment. Ah, des mauvaises herbes. Ah, les mauvaises herbes, on s'en débarrasse hein, quand même. Hein. Voilà. Ouais, non, mais par contre, j'ai dit que je me débarrassais. Voilà. Mauvaises herbes. Bon, bah, voilà, on s'est débarrassé de toutes nos cochonneries. Et maintenant, j'aimerais bien, c'est trouver une écurie. C'est tous les gens avec des points d'exclamation, moi je dis. Où est l'écurie? Marchand de panier, carrément. Marchand de dessert. What the fuck? Marchand de matériaux. Oh là là, mais il y a des marchands partout. Il y a personne pour nous indiquer le chemin, quoi. Donc faut vraiment connaître par cœur les emplacements. C'est abusé, quoi. Il y a trop de monde. Wouh, il a la classe, lui. Moi, je veux jouer des persos comme ça aussi, eh. Marchand de poissons, mais what the fuck. Instructeur de compétences. C'est vraiment ouf comme ville. C'est vraiment ouf. Chef de commerce, ouais, mais moi je voudrais une écurie en fait. Juste, c'est plus pratique pour moi si j'ai accès à une écurie. Mais comment voulez-vous que je m'y retrouve dans une ville comme celle-ci, quoi? Comment, y a pas une carte qui pourrait nous indiquer quelque chose? Genre n'importe qui, lui. Voilà, lui. Eh bien non. S'il vous plaît, toi, dis-moi. Ouais, super. Y a-t-il quelqu'un pour m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? Je cherche pas grand-chose, juste une écurie. Allô? Allô, moi? Non, personne? Ouais, il y a des baraques un peu partout aussi, j'imagine que l'on peut acheter. Je repasse comme ça, hein. Oh là là, c'est beau. C'est beau et c'est tellement complet, regarde, on dirait tellement, c'est vivant, quoi. C'est tellement vivant comme environnement, regardez, gros éléphant! Je veux ça comme monture. Je veux ça comme monture! S'il vous plaît! Oh là là là. Regardez, même ça, c'est... Enfin, juste le système de poulies comme ça, mis en mode... Juste ça, c'est juste ouf! Si je monte dessus... Ah, dommage. J'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça vraiment fun, pour le coup. Pouvoir grimper dessus comme... comme dans un AC, finalement. Bon, allez, on se casse. On trouvera pas l'écurie, c'est trop grand. C'est définitivement trop grand pour nous ici. Et comme je ne sais pas du tout comment me repérer dans ce genre de ville, je pense que c'est une mauvaise idée pour moi de tenter quelque chose. Hop, à partir de maintenant, dans cette direction, et une nouvelle ellipse, puisque 830 mètres. Hein. Et puis parce que j'ai aucune chance de trouver, même en appuyant sur M finalement, de trouver une... ce que je cherche, puisque je cherche Autoloop, calme-toi. Une université, expert de compétences de combat, une écurie. Je sais pas comment sont indiquées les écuries. Ce serait pas ça? Non, je veux non. Je sais pas à quoi ça me sert. Ah, et là ça a zoomé. Du coup, peut-être que c'est intéressant. Là. Non, mais par contre, juste ça, tu coupes. Je m'en fous. Écurie. Aubergiste. Ce serait pas ça l'écurie? Genre, en forme de roue. Ce serait bien possible. Ou alors c'est ça, regardez, il y en a une ici aussi, du coup. Et je dirais qu'on est pas loin finalement. On est où? Je sais pas où je suis. Si ça c'est une écurie, ça me plairait bien. Du coup, je remonterai bien par-dessus. Par au-dessus. M, M. J'ai du mal vraiment avec la carte ici. Hein. Beaucoup de mal à me repérer. Moi je suis là. C'est mon perso. Donc, je pense qu'il faut que je repasse par le pont et que j'essaye d'atteindre cette zone là. Si ça c'est une écurie, ça me plairait bien. Vraiment. Hein. Bon, de toute façon, on a quasiment fini hein, finalement. C'est pas passé grand chose dans cet épisode, mais juste cette ville elle est. Elle est folle quoi. Elle est impressionnante. Vous direz, c'est pas passé grand chose, on a quand même tué des... On a quand même tué des bestioles qui sont assez fun finalement. On a rencontré des chimères, des orques poules et aussi des créatures mutantes dégueulasses au fond d'une grotte. C'était cool. C'était cool. Et puis cette ville les amis. Waouh, waouh, waouh. Juste waouh. Rien à dire quoi. Donc je vais confirmer ça. Savoir si ça c'est vraiment une écurie qui est indiquée sur ma map, ça serait vraiment bien. Si les roues représentent des écuries, je serais vraiment content, mais ça pourrait aussi représenter... Ah, oh, les gamins qui ont une hitbox de 15 km autour de leurs bras et qu'on peut pas passer tranquillement à côté d'eux. Sans regarder, on est bloqué alors qu'on est à 10 km sur sa gauche. C'est insupportable. Donc là, la logique voudrait que l'écurie soit là. Et non.
évidemment que non. C'est un genre de grange plutôt, je dirais. Porte Est de Calphéon. Ça fait quoi si j'appuie sur R1? Oh, du coup, ça ne m'intéresse pas. Bon. Bah écoutez, les amis, ça fait 40 minutes qu'on joue, donc je pense qu'on va s'arrêter. Parce que là, je vais pas repartir sur un truc nouveau finalement, alors que j'ai quand même 850 mètres, on va pas s'attaquer à une nouvelle quête alors qu'on a pas grand chose à faire finalement. En plus, c'est les joyeux d'Iris de Chimère, c'est pour aller retaper des Chimères, c'est pas hyper rigolo. Je le referai dans l'épisode précédent. Ouais, bien sûr, je vais revenir dans le temps pour pouvoir revenir dans l'épisode précédent et ouais, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, les amis, même si cet épisode est un peu plus court, est-ce qu'il vous a plu? Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager la vidéo également, me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. Me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Bon visionnage à vous. C'était Katast. Et ciao.